Face au silence de Meghan Markle, son père Thomas envisage de se rendre à Londres. Je veux voir ma fille. Les relations entre Meghan Markle et son père, Thomas, 73 ans, ne sont vraiment pas un long fleuve tranquille. Quelques semaines avant le mariage de Meghan et de Harry, la tension était montée d'un cran. Après l'affaire de la fausse paparazzade, l'interview donnée à Good Morning Britain moyennant finance, puis ses graves problèmes cardiaques, le père de la mariée avait abdiqué, laissant ainsi au prince Charles l'honneur de conduire la jeune mariée vers son fantastique destin. Depuis, plus rien. Plus de contact. Un drame pour Thomas, désespéré de ne plus avoir de nouvelles et de ne pouvoir soutenir sa fille. Je ne vais pas agiter des drapeaux et me ridiculiser. Je trouverai un hôtel et j'essayerai de les contacter, a confié Thomas Markle au Sun Sunday, le 15 juillet. Je t'aime, tu me manques, je suis désolé pour les erreurs que j'ai commises, je veux faire partie de ta vie et… Décroche ton téléphone. Car par-delà ces erreurs, le père de la jeune mariée semble très inquiet pour sa fille. Je le vois dans ses yeux, je le vois sur son visage et je le vois dans son sourire. Je l'ai vu sourire pendant des années. Je connais son sourire. Je n'aime pas celui que je vois actuellement, a déclaré Thomas. Ce n'est pas un sourire de façade, c'est un sourire douloureux. Et, cela m'inquiète vraiment. Je pense qu'elle est sous trop de pression. Le retraité a exprimé sa tristesse, sa volonté de reformer une famille, malgré ses erreurs. Mais le numéro de téléphone qu'il possède répond aux abonnés absents, il n'a même pas d'adresse où envoyer une missive à sa fille. Je suis triste que nous en soyons arrivés à un tel point. Je sais, j'ai ma part de responsabilité. Mais, j'ai déjà fait comprendre que je payerai cela le restant de ma vie. Je souhaite toujours rencontrer la reine. Si elle rencontre Donald Trump, pourquoi pas moi / J'aimerais être traité comme le père de Meghan. Je devrais recevoir le respect du père de la mariée. Pas sûr que ce genre de déclaration enchante Meghan.